Hésitation de Bloudet-Dandier. Parti pour le critérium de vitesse de Basse-Normandie sur l'hippodrome d'Argentan, édition 2021, avec Étonnant qui est parti assez tranquillement, mais bien au trou, alors qu'Héridan est parti très très fort. Héridan, le numéro 6, tendu, qui prend la tête avec Asensulki, Cédric Théry, un très bon départ également pour Junior Guelpa, qui accélère avec Bayakeno. Un bon départ pour Sébélo Romain, avec Mathieu Moutier à la corde, vient se glisser. Valokaya Indo, Étonnant qui vient de terminer deuxième du prix d'Atlantique, se rapproche à l'extérieur, la casaque de Richard Westerin qui est en train de venir, sans être totalement brusqué hein, par Anthony Barrier qui cherche à le reprendre actuellement, alors qu'on va se diriger vers la ligne en face, à l'arrière-garde de Billy Montfort, qui a été tout de suite reprise. À l'arrière également Herminger, avec également le numéro 13 Girolamo. Ligne en face, Bayakeno est en train d'accélérer, elle va venir en tête, elle va dans quelques instants certainement relayer. Et Ridan, le numéro 6, qui est en tête de course pour le moment et qui est un peu tendu, avec en troisième position Valokaya Indo, va très très vite. Et Ridan qui garde la tête finalement à son extérieur, Junior Guelpa qui est venu se poser avec Bayakeno. Ça va vite hein, on voit que le peloton s'étire. Blues des Landiers quitte la course et se montre fautif à la corde, direction le dernier tournant. 4 chevaux se sont détachés, Étonnant un peu de mal à revenir sur les premiers qui vont vite pour diriger vers les 500 derniers mètres, avec la toujours pour Héridan, avec en deuxième position Bayakeno qui part un petit peu à l'extérieur, suivi par à la corde Valokaya Indo, avec tout près également Sébélo Romain qui a bien suivi le mouvement. Étonnant est en cinquième position et tente de refaire du terrain. Dernier tournant, 600 mètres à parcourir, avec Héridan qui aujourd'hui est en train de refaire parler de lui. Il contrôle, mais à son extérieur Bayakeno toujours au contact avec Valokaya Indo, avec également Sébélo Romain qui s'apprête à attaquer. Cicerono a essayé de venir à l'extérieur et se rapproche. Étonnant n'a pas encore à accélérer. L'entrée de la ligne droite, Billy de Montfort tente de revenir de l'arrière. L'entrée de la ligne droite avec toujours Cédric Théry en tête. Incroyable Héridan. Donc qui repart avec en deuxième position Bayakeno qui ne peut rien faire. Attention maintenant à Sébélo Romain qui est lancé par Mathieu Moutier, puis également Nicolas Bazir qui se décale maintenant avec Valokaya Indo, avec Sébélo Romain à l'extérieur qui vient de plus en plus vite sur Héridan. Héridan qui se perd dans ses allures et qui est maintenant dominé par le numéro 2 Sébélo Romain. C'est Mathieu Moutier qui va remporter ce critérium de vitesse. C'est fait pour Sébélo Romain. Deuxième place pour Valokaya Indo et troisième place à voir. C'est très serré. On a en dedans Digné Droit et d'autres concurrents également à l'extérieur. Bayakeno a plafonné pour finir.